Dans le rapport annuel, les réseaux officiels parlent d'un impact sur le rendement de la protection fongicide qui va de 2 tonnes et plus, moyenne de 5 ans, sur l'ensemble des variétés. Et pour les variétés, disons, lutte intégrée, lutte raisonnée, on parle d'un impact encore, grosso modo, de 1000 kg sur 5 ans, encore une fois. Donc, ce qui signifie que, malgré qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de symptômes de différentes maladies sur la variété, l'impact sur le rendement est quand même là. Et ça, ça s'explique par le fait que la plante, une fois agressée par le champignon, toujours de manière invisible, elle va mettre en route son système immunitaire de façon le plus efficace possible, mais cette contribution du système immunitaire va consommer énormément d'énergie et évidemment une partie du rendement. Donc, ceci explique les chiffres au niveau rendement qui sont parfois étonnants malgré que la variété n'ait pas montré de symptômes importants. Au niveau de la qualité, c'est également important puisque quand on se souvient notamment de l'année 2016, donc il y a 5 ans, on a eu un mois de juin humide, développement des maladies sur le tard de façon importante et en finale, les parcelles qui n'avaient pas été protégées ont montré des teneur en mycotoxines excessivement élevée, au point qu'elles ont dû être envoyées au rebut, ne pouvaient plus être utilisées ni pour l'alimentation humaine, ni pour l'alimentation animale. Donc ce point qualité de la récolte est vraiment déterminant, et c'est la protection fongicide qui va grandement y contribuer. Une caractéristique de ce printemps 2021 est en fait l'extrême fraîcheur pendant des semaines, qui amène à des décalages de stade de parcelle en parcelle qui sont vraiment importants. Il ne sera pas rare d'avoir quasi 2 semaines entre les stades idéaux de traitement dans les plus précoces et les plus tardifs. Donc c'est peut-être une complication supplémentaire pour le travail de la gestion au niveau de l'exploitation, mais c'est vraiment très important de positionner le mieux possible votre investissement fongicide. Donc le choix d'un produit adapté est évidemment primordial, mais le positionnement du produit l'est tout autant. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous êtes dans une situation où vous avez déjà eu une protection fongicide précédemment, vous pouvez attendre, dernière feuille déployée, apparition des premiers épis, inutile d'attendre trop longtemps. La dernière feuille n'est pas protégée, il est préférable d'appliquer le fongicide de manière préventive, ça va vous permettre d'en tirer le maximum. Au cas où vous n'auriez pas encore fait de protection fongicide dans des variétés plus tolérantes ou parce que les conditions n'étaient pas favorables aux maladies, soyez attentifs et n'attendez pas trop longtemps. La dernière feuille, une fois déployée, vous pouvez y aller et positionner votre traitement. Contenir la rouille brune va être vraiment primordial. Alors vous allez me dire, oui mais la rouille brune, elle s'est attaquée jusque grosso modo le 10 juillet. Et moi, je vais faire mon traitement ici, grosso modo, au début du mois de juin. Eh bien, sans aucun problème, quand vous utilisez un produit à base de solathénol, vous avez une persistance après son application qui peut aller jusque 6 semaines. Donc, c'est vraiment une protection qui va vous permettre une maturation dans les meilleures conditions possibles de votre culture. Vous retrouvez le solathénol dans le Ceratavo. Le Ceratavo que nous proposons en mélange avec une triazole de manière à avoir un spectre le plus large possible, une action à la fois curative et préventive puissante.